Bonjour à tous, on prend la direction de Chantilly ce lundi pour une nouvelle émission Quinté Flash et c'est un Quinté Plus qui va se disputer dans le prix de la Chartreuse, une épreuve, un handicap plutôt réservé aux chevaux de 4 ans et plus qui vont évoluer sur la distance de 1600 mètres et cette fois on se retrouve sur le gazon à Chantilly, on délaisse la PSF, un lot assez intéressant, un lot homogène mais avec des chevaux bien confirmés dans cette catégorie-là, mais on va voir tout ça avec mon analyse. Attaque avec mes bases et le numéro 6, Exciting, il détient vraiment une belle chance jugée sur sa dernière sortie ce cheval là, donc je pense qu'on va évidemment le retenir très très haut. Le numéro 8, Norwegian Sir, il est vraiment régulier, il est irréprochable ce cheval, je pense qu'il sera encore dans le coup, alors on peut pourquoi pas le tenter en The Show, il a le bon profil du deuxième, pour cela vous rendez sur le site theturf.fr et vous le savez, The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € avec le code promo FLASHTURF. Le numéro 9, Galord, extra pour sa rentrée victorieuse, moi à mon avis, il ne devrait pas taper loin ici dans cette épreuve. Les opposants avec le numéro 1, Scottish Anthem, il va progresser sur sa rentrée, moi je pense qu'il est compétitif ici, même s'il n'a pas de marge peut-être pour le succès. Le numéro 5, Goldino Bello, son entourage est plutôt confiant pour cette rentrée, du coup attention, je m'en méfie, il est capable de belles choses, jugé sur ce qu'il a fait la saison passée. Le numéro Dantes, elle est encore malheureux avec le tirage à la corde, il a tiré le 16. Sur ce parcours, c'est pas évident, maintenant le cheval a beaucoup de qualité, il est capable de se surpasser et d'effacer ce mauvais numéro. Le numéro 12, Carton Chose, le cheval est en grande forme, il peut pourquoi pas s'illustrer, il peut y avoir une petite cote à la clé. Mon coup de poker, c'est le numéro 7, Lupo Nero. Je pense qu'il avait besoin de courir le dernier coup. Et là, du coup, je pense qu'il va avoir progressé. En plus, il devrait, à mon avis, se montrer à son avantage dans cette catégorie-là. J'en suis sûr. Il a la pointure, pardon. Donc, on va le retenir quand même assez haut. Les outsiders avec le numéro 11, Hugo The Look, il se plaît en terrain lourd. Il sera donc, à mon avis, un petit peu servi quand même ce lundi. Donc, il doit pouvoir confirmer ici. Le numéro 10, Akitash, il est à suivre dans ce lot, mais il devra bénéficier d'un bon parcours. C'est un cheval qui est parfois un petit peu difficile peut-être. Le numéro 3, Roberto Mount, pour cette rentrée, moi je le vois plutôt en retrait quand même. Donc, on ne va pas quand même l'écarter totalement. Le 4, Simon King, c'est un petit peu le même profil. Lui aussi peut peut-être manquer d'une course, mais attention, on s'en méfie. Le numéro 15, Morsan, plutôt en fin de jeu également. Dans cette catégorie-là, je pense qu'il n'a pas une énorme marge, mais on ne va pas totalement l'éliminer. On termine avec les délaissés et le numéro 16, Jordan Baker. Ça se complique un petit peu dans cette première épreuve, donc je m'en passe. Le numéro 14, Blackbird Fly, il manque de catégories, c'est pas évident ici dans cette épreuve. Le numéro 13, Comensei, pour moi, c'est vraiment pas simple dans les handicaps, donc je vais m'en passer. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quinté Plus. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.